Salut à vous les bambis! Et bienvenue pour un nouveau live de Final Fantasy V. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Maxou, Mumba. Et aux autres bambis présents sur le chat. Oh Mumba! Mumba qui a platiné FF5. Oh, oh, oh. Oh petit Mumba! Petit Mumba! Petit Mumba! Petit Mumba! Tu arrêtes! Tu vas farmer, ah oui! C'est vrai que j'ai oublié ce détail que tu mets sur Discord. C'est un succès où il faut maîtriser toutes les classes, pas forcément sur le même personnage, à la base. Mais il faut maîtriser le freelance. Et quand on fait pour maîtriser le freelance, il faut que le personnage en question maîtrise toutes les classes. Ouais. Donc, au final, il faut qu'un personnage maîtrise toutes les classes. Super. Bonsoir, l'internet, d'essayer de faire chier. Oh non, Master Shikomo. Non, fais un effort. Yeah. Donc, ça va farmer en boucle sa zone finale. Ça va être délicieux. Hein, parce qu'il n'y a pas 36 façons de farmer de façon ce jeu. Merci à tous. C'était un bon stream. Mais enfin, bref. Bah écoutez, on est parti. On est parti. Voilà. Voilà, voilà. Oula. Oula. Oh, oh, oh. C'est bon. Donc la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens plus. C'est-à-dire, j'ai pas vu stream parce que j'ai passé une journée horrible hier. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais pas meilleur hier, j'étais pas bien. J'avais pas la tête à stream, voilà. On est toujours comme ça, écoutez. Au secours. On avait fait le cristal de la Terre, on a défoncé un vaisseau géant. Master Chocobo peut contrôler les mobs pour la magie bleue, donc ça c'est délicieux. Voilà, on a pris quand même voilà, pas mal de magie bleue, donc c'est bien en cours, c'est bien en cours. Et surtout, Maxou arrache kit parce qu'il s'est dit, vous êtes tous des noobs, je me casse avec Anya, voilà. Avec ma petite fille, oh ma petite fille Anya. Dégueulasse. Bref, Maxou. Et du coup, on s'est dit, bah Maxou, c'est notre ami, évidemment. Donc, on va le rejoindre, mais... Ce clone de Maxou a utilisé la dernière aérolite disponible, enfin du moins qui... La dernière aérolite qui avait une petite portion d'énergie, on va dire. Et donc, il faut demander aux deux têtes, aux deux savanciers des mids, si il y a un moyen de rejoindre Maxou avant qu'il se solote le boss final, le connaissant. Alors... De toute façon, je pense qu'au niveau du blister, ça, on est bon. Honnêtement. Parce que là, en fait, si vous voulez, on passe à un stade où... où on ne peut plus revenir en arrière. Donc voilà. Mais je pense que... Je pense qu'on est bon, hein. Je pense qu'on est bon. C'est quoi ces conneries? Ouais, le tour des eaux, il manque un T, je crois que j'ai déjà dit ça en plus, je sais plus. Bref. C'est ça, Maxou cherche beaucoup le vrai héros quand on est une bande de branleurs. Vu dans dimension, les lolis sont légales. Comment ça, Maxou? Oh, Maxou. Mais comment ça? Bon, bon, bon. Putain, mais... Ah, je suis désolé, mais... Pourquoi je quitte le jeu à chaque fois? Alors, Sinimid, où est-ce qu'ils sont? Mais les oiseaux, ils sont pas là en fait. Attendez. De toute façon, je vais là, mais est-ce qu'ils sont pas plutôt à la bibliothèque des anciens? Comme un gros con que je suis. Merde. Ça commence mal, ce stream qui commence très mal. Ah non, attendez, oui, c'est vrai. Il y a un papier. C'est l'écriture de Cid. La Mémantine émet les radiations dangereuses. Nous allons le rapporter où vous l'avez trouvé. Ah bah, ils sont partis. C'est sûr qu'il en est arrivé. Rapporter la Mémantine, non, ils sont allés là-bas. Évidemment, je te dis pas, mais évidemment, rappelez-vous. Évidemment. Évidemment, évidemment. C'est l'aérolite de Tycoon. De Tycoon. Ah oui, c'est vrai que on a des nouveaux jobs, rappelez-vous, que j'ai pas présenté.
Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné le Cheval Dragon, évidemment. Classique, comme dans le 3. Ça sert à rien, voilà. Cheval Dragon, franchement, aux FTR. Samouraï. Le Samouraï, classe de Weeb. Incroyable. Cette classe est incroyable. Il jette de l'argent sur tous les ennemis. C'est la première fois d'ailleurs dans ce Final Fantasy qu'on peut jeter de l'argent sur les ennemis. Guiltos, ça s'appelle en anglais. Mais dans cette version, c'est craqué parce que. C'est en fait, si vous voulez, normalement, la formule pour ça, c'est plus on envoie d'argent, plus ça fait de dégâts. Plus il y a une tier, c'est ça, ouais. Sauf que là, en fait, comment ça marche la formule, c'est le niveau du samouraï. C'est le niveau du samouraï multiplié par une certaine valeur et selon la défense de l'ennemi. Ça, ça dépend pas du tout de l'argent que vous avez. Donc, c'est-à-dire que Guiltos fera toujours la même quantité de dégâts, on peut dire, quoi. Ça dépend pas de votre quantité de gil que vous avez. Du coup, c'est totalement craqué. Ça le fait sur tous les ennemis. Ça fait énormément de dégâts. Enfin, peut-être une des classes préférées des speedrunners. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, cette classe. De toute façon, on va l'utiliser bientôt pour un boss. Alors, est-ce que Boomba va être samouraï pendant un boss? Juste une autorisation. Sinon, je serai samouraï. Logiquement, c'est le DPS qui est samouraï. Et aussi, le samouraï, autre point. Alors, ça, j'en ai pas trop parlé du système de coup critique. Alors, il me semble que c'est en version originale. Mais c'est en version originale, en fait, les coups critiques, tout le monde peut pas faire de coups critiques en fait. Il y a que les points, certaines armes et le samouraï. Les armes du samouraï, que pour ici, voilà, c'est le logo au milieu. C'est les katanas. Les katanas ont 30% de chance de coup critique. C'est énorme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un samouraï tape, il a une chance sur 3 de faire un coup critique. C'est deux fois plus de dégâts. Et il n'y aura pas armure. Donc, donc imaginez un samouraï ambidex. Peut-être cette. Il y avait pas samouraï, ok, Mumba. Je sais pas après Mumba si tu veux un samouraï ou pas, je sais pas. Mais si Maxou est ambidex et qu'il passe samouraï. Enfin, si Maxou nous rejoint, hein, évidemment. Il peut porter deux katanas et chaque katana a chance de coup critique. Hein. Imaginez l'enfer. Cette classe elle est énorme. Enfin, samouraï c'est trop pétière. Et on a gagné une autre classe qui est l'alchimiste. Oh là 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 là! L'alchimiste, je pense que c'est la classe la plus OP du jeu. C'est débile cette classe. Bon déjà, vous êtes plus efficace sur les potions, tout ça c'est clair, mais ça on s'en fout. Et à partir de la comp du niveau 1, je crois, ou 2, t'as très très tôt avec l'alchimiste, vous pouvez mixer les objets et vous pouvez faire des trucs ignobles. Vous pouvez rouler sur le jeu avec un alchimiste, il y a aucun problème. De toute façon, je pense que c'est moi qui veux dire alchimiste. Oh oui. Notamment, voilà, les HS pass, les carapaces de tortue, des dents de dragon, mais ça on a pas encore loot. Enfin, tous ces trucs. C'est ça pour l'alchimiste, vous pouvez faire des trucs de dingue. Vous pouvez faire des trucs de dingue avec l'alchimiste. Mais le problème c'est qu'il faut connaître des combinaisons. Faut connaître des combinaisons. Mais cette classe est incroyable. Alchimiste samouraï, on a débloqué deux putains de classes. Bref, excusez-moi pour cette petite de présentation aux F total, mais voilà, c'est pour vous présenter le truc. Avec double point mais Mumba, c'est vrai, c'est vrai que double point ça le fait très bien. Bah après le moins de Shaolin Ninja, je pense que oui, prise max pour... D'accord Mumba. De toute façon, faut que Max apprenne ambidex. C'est indispensable. Oui, il a l'hérolite. Alors Max... c'est vrai que Master Shoko, normalement on a danseur, je crois. Hein. Je suis bruit dans les menus, excusez-moi. On a danseur, mais le problème du danseur, ça sert à rien actuellement, je crois. Ouais, c'est ça, regardant. On a le danseur. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas expliqué le danseur. Alors le danseur, c'est assez particulier. Attendez, déjà, on va se poser. Le danseur, c'est assez particulier. C'est une classe qui est très faible, qui a pas beaucoup de points de vie de défense. Et par contre, ça peut faire un burst incroyable. Peut-être le meilleur burst de tout le jeu. Comment marche le danseur? Il me semble que de base, en fait, il y a une compétence, c'est danse. Et il fait des danses différentes. Par exemple, il fait une danse pour voler des MP à un adversaire. Des points de vie pour le rendre confus, et le quatrième c'est la danse du sabre, et ça c'est le truc principal du danseur. La danse du sabre c'est un coup qui ne peut pas louper, il me semble, ce qui est sûr, et qui fait extrêmement mal sa mère. Ça fait énormément de dégâts ce soir,
Peut-être c'est ça du jeu, peut-être on peut faire genre un petit 2000-3000 quoi, c'est... Peut-être je dis ça au pif, mais ça... Ça fait super mal. Mais le problème c'est quoi, on a 25% de chance de le faire, mais... Il y a certaines pièces de stuff qui permettent d'augmenter les probabilités. C'est notamment le cas du live précédent avec la lamia, rappelez-vous, la lamia qu'on a essayé de voler, qui donnait une tire de la Yama. Et en fait, le danseur, il suffit qu'il équipe une de ces pièces de stuff pour monter le taux de proc de danse de sable de 25% à 50%. Et là, ouais, après, vous avez une chance sur deux de faire la danse du sable. Et là, imaginez en bidrex, un danseur en bidrex, tac tac, double coup, oh là 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 là, c'est super mal. Et aussi très important, et je finis sur ça, excusez-moi. Alors, rappelez-vous qu'on avait droppé un ruban. On avait droppé un ruban dans le château de Karnak pendant la fuite. Mais le ruban, on peut pas l'équiper. On peut pas l'équiper, le ruban. Il est là, notre petit ruban. Voilà, ça le protège contre les altérations d'état et ça augmente les stats. Alors pourquoi on peut pas l'équiper? Et bah tout simplement, il y a que le danseur qui peut l'équiper. Et ça, c'est cool pour lui, quoi. Mais après, voilà, le danseur, il me semble que quand vous le maîtrisez, vous gagnez une compétence et équipez ruban, qui permet avec n'importe quelle case d'équiper un ruban, mais aussi tous les accessoires de danseur, notamment la tire de lama et un autre truc. Et deux autres trucs, je crois, il a deux accessoires. Enfin bref, voilà, excusez-moi pour ce laus qui a duré 3000 ans, mais voilà. Présentation des classes. Quoi? Hein? Mais qu'est-ce que le Chocobonard fait ici? Quoi? Hein? Mais qu'est-ce que le Chocobonard fait ici? Quoi? Ah mais c'est... Mais mortel! Oh putain! Oh, mais... Comme si on était surpris de les rencontrer ici, t'sais. Simid, que faites-vous ici? Tu te rapproches pas d'EV! Alors je t'approche pas d'EV, c'est trop dangereux, c'est un plan cul! Une onde d'énergie surpuissante émane de la labyrinthine, ça va péter! Oh, j'aurais cru bon pour. J'aurais cru bon de rapporter la diamantine, vous l'avez un instant. C'est ça, Maxou. Pourquoi on est surpris de se les trouver? Oh, le sol absorbe l'énergie de la diamantine! C'est fabuleux! Est-ce que l'hérodite est en train de se recharger comme une batterie? Faut qu'il absorbe cette énergie pour nous permettre d'atteindre le monde de Maxou! Oh! Peut-être qu'en dis-tu, le vieux crouton, là? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Parle mieux au gêné, petit con! Qu'est-ce que tu fais avec Mumba, là? Oh, je vois! Putain. Cependant, ce morceau de la mantine est trop petit! Il devrait passer l'énergie à l'aérolite pour vous permettre de vous téléporter! Mais si vous combinez l'énergie des quatre aérolites... Nous pourrons leur atteindre le monde de Maxou! Et nous reprendre le stuff qui nous a volé! Et une bande guise de sa tête! Oh! Ah, est-ce que j'ai trop la game? On passe sur l'héroïne suivant! D'accord! Non, c'est bon, c'est bon. Faut que je mette. Je mets en samurai tout de suite, hein, excuse-moi. J'en sais plus quel. Bon, en fait, vous allez voir. Pas de spoil. Où c'est le samouraï pour Max. Mumba? Voilà. Voilà, Zézinage. Oh là là, Zézinage. Ma magie lame, on peut l'équiper du coup. Ashura, bouclier, oui, très bien, très bien. Très bien, voilà. C'est juste pour un combat en fait, faut qu'il soit un samouraï. Ah, maintenant, faut se rappeler où se trouvaient toutes les aérolites. On va les faire dans l'ordre, je pense. Ah ça, il y en a que 4, je crois. Le petit dragon! Le petit dragon qui est là! On va aller à l'héroïque de Wolf. Attendez ici, mon petit voyou! Ne bougez pas, on s'en occupe! Le dragon abandonné, ouais. Voilà! Il se trappe! C'est le bon combat, c'est mid! À terre! Oh, ce combat est cancer. Bah, quand vous connaissez pas ce fight, c'est un gros plan cul. Démonstration. Bah, quoi, est-ce que je vais vraiment le faire? Non, je vais pas le faire. Ah, Kamikaze, d'accord. Intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous tuez un bombo,
Si vous en tuez un autre derrière, avant de crever, il va lancer V3 en fait, sur tout le monde. Donc l'idéal, c'est de tuer tout le monde en même temps. Et c'est pour ça qu'on a le... Samouraï ! Zézinage ! L'argent ! Oh là 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 ! Ah mais ils vont rester cons, nique ! Ah, attendez, j'ai une strat, vous en faites pas. Normalement. Ouais, c'est le problème. Voilà le problème. Je pensais pas qu'ils allaient faire kamikaze, ce connard. En fait, il fallait faire Zélinage entrée de jeu, quoi. Par contre, c'est long. C'est long, s'il vous plaît. Ah, là, c'est ça le problème. Ah, bon, la strat, c'est de les mettre sous silence, mais bon. Ouais, voilà. Je pense que ça marche en fait sous silence. Bon, au moins vous avez vu ce qui se passe, voilà, si on les laisse en vie. J'ai un gros doute sous silence. Vous avez vu les dégâts de Zézinage, quoi? Oh là 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 là. Ah, peut-être. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. On va peut-être. Quel plan cul. Ouh! Ah aussi le samouraï il peut bloquer aussi. Il a une chance de bloquer. Le combat commence trop mal alors qu'on peut plier en une seconde, c'est le combat. Mais c'est ma faute, je suis un connard. C'est pas passé loin, j'avoue. J'avoue. Je vais m'assurer que... Voilà. Allez, dis-moi que ça passe. Ok. Le combat qu'on a dû plier en 2 secondes. Voilà, c'est bon. Sous silence, ça marche moins bien. Voilà. J'ai gaspillé 2 queues de phoenix à cause de mes conneries. Merci à tous. Oh, vous n'avez rien. Ouais, bien joué, mais vous êtes des sacrés quiches, là, les appuis one shot. Attends, entrée de jeu avec le pouvoir de l'argent. Ah, j'avoue, Master Sugar, ils ont été là avec ton stop, hein, ce putain. Bon, passe sur les rôles suivants, bande de cons. Ah ouais, d'accord. Ah, j'ai mal. Voilà, c'était le samouraï, merci à tous. Remettons en rôdeur, Mumba. Rôdeur. Rôdeur, faut qu'il pex. Faut qu'il pex le rôdeur. Si on est bien d'accord, attends, j'ai pas ça, là. Ouais, je l'ai pas. Ouais, je vais laisser en chronos, je pense. En chronos. Moi, j'avoue l'esquive, ouais. C'est ça, Maxou, ouais. Oh, mais samouraï, c'est tous les jours, hein. Bon, par contre, évidemment, comme dit Mumba, le Zélinage, bon, ça, vous avez vu, ça, c'est n'importe quoi, hein, 4800 sur tout le monde. C'est totalement pété. Mais bon, après, voilà, ça vous bouffe de l'argent, ça faut pas oublier. L'argent. Il me semblait qu'il y avait 4 aérolithes, il n'y en a que 3, c'est pas possible. C'est Yavors, Tycoon. Il y en a bien 4. Il y a celle du désert, ça c'est la dernière où... Lesquels arrivaient à Anya? C'est ça, Mumbat, c'est... Et Mumbat, c'est qui siffle, c'est... Ah non. J'ai pas du tout balancé l'argent sur mon ennemi. Ah mais si, attendez, c'est un rolite, c'est vrai, j'ai oublié. Il y a celle-là, bah oui, rappelez-vous. C'est que c'est là qu'on s'était payé avec Wolves. C'est ça, Maxou, on peut dire que c'est un parc cristal, ouais. Limite. Oui, papy. Bon, vous doutez bien qu'à chaque aérolite, il va avoir un petit plan cul, quoi. Ah, bon. Diante, cette famille de monstres, à vous de jouer, enfants. On est les connards, vous savez. Enfin, le mec, il dit sa famille de monstres, mais je crois que c'est totalement faux, ce qu'il dit. alors, par contre, je pense que ce combat va être compliqué. Ce combat risque de faire mal, on va voir.
Pour ça, j'hésite à le mettre en... Ouais, non, c'est quoi, je vais prendre en mage bleu. Là, il faut du soin. Ouais. Mensonge ! Il n'y a pas des monstres ! Il y a un putain de monstre ! Titan ! Oh, la cape elfique ! Oh, il est sur Sébastopol ! Là, on est dans la merde ! Vite. Mille épines ! Ha ! Alors, on pue la merde ? Un peu bravo. Oh, la cape... Putain, mais Master Chocobo, là, on l'arrête plus, là. On l'arrête plus. Mille épines ! Ouh, ça passe. Easy. Ouais, bon, sans lévitation, c'est compliqué, mais bon. Pas tout de suite, lévitation, pas tout de suite. Bah, Master Chocobo, ils sont là, c'est... Si, ils ont pas l'âme d'un aventurier, les... c'est des mid. C'est des geeks. Et du coup, la pluie titan, une excellente invocation. Oh là 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 là. Excellente invocation, titan. Ah, très bien, nous occupons du reste. Allez, cassez-vous, les jeunes. Oh, oh oui, j'y volé tout l'eau du titan. Passons les rôles à l'eau suivant. C'est ça, Master Chocobo. Non mais là, full esquive, la cape elfique. Maxou, interdit aux vieux et aux lolis, voilà, aux petits. Oh le gamin, allez là, c'est bon. Normalement, celle-là... Ah si, si, il y a quand même une embrouille, je crois, ici. Oh, ne bougez pas. On s'en occupe. Ah, je me souviens plus de ce qui va se passer, ici. Ah, mais si, si, attends, bah non, je sais pas. Ils sont partis depuis longtemps, là. Vaut mieux d'aller chercher un coup d'œil. J'en sens plus de ce fight. C'est qui déjà? Je m'en souviens plus. Oh mon dieu, ils sont ovulés! Oh, Jeanne! Aïe, aidez-nous! Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Qui êtes-vous? Bonjour. Ok, on est casse-couilles, ce que je vois. De tester un truc. Je crois pas, hein. Ouais, c'est bien, il me semblait. J'ai craqué. Bon, ça pue tout de ce boss, quoi. Marche ou pas? Oh! T'es sérieux? Non! Oh là là, le missile! Missile qui retire 3 quarts de ses points de vie actuels! Bon bah au revoir, hein. Bisous! Mille épines! Salut mon pote! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je sais plus tout de ce boss, quoi. Oh, arrêtez. Arrêtez de tourner. On part, hein. Ouais, ça va, tu manques un peu d'MP, ouais. C'est... Au sort près, Max, au sort près. Moi, je suis comme ça. Vous n'avez rien? Oh, nous l'avons échappé belle, hein. Et le 4, jetez un coup d'œil cette carte. Ah oui, c'est vrai. Regardez, incroyable! Oh!
putain. Comme vous pouvez le constater, le rayon d'énergie des éolites se croise au milieu. C'est dans un endroit que vous pouvez vous téléporter. Soyez prudent, mon petit voyou. Adieu. Merci, Sid. Merci, Mid. En avant. Maxou, tiens-toi prêt. Pile celui en forme de croix, j'avoue. On n'a pas besoin de se reposer. On se repose pas, nous. On est des warriors. Bon, là, faut se regarder, c'est important. C'est comme je dis, il n'y a plus de retour arrière, là. Monde 1, c'est terminé. Ah oui, c'est vrai. Cette carte formidable, elle s'auto-actualise, j'avoue. J'avoue. Les rayons s'affaiblissent. Les éolites n'ont presque plus d'énergie. C'est tout ou rien. Nous ne pourrons pas revenir après. Êtes-vous certaine de vouloir continuer, les filles, Mumba et Master Chocobo? Nous devons aller aider nos amis, c'est tout ce qui compte. Nous devons aider Maxou, notre bro. Mumba a raison, nous ne pouvons pas les abandonner. Je vais encore chanter dans les oreilles de Maxou pour lui casser les couilles. Eh bien alors, ça me va, allons-y. Allons-y. Disons adieu à notre monde. Nos origines, notre village natal. Mon courage va être là, vous devez piller et saccager les villes sans moi. Sois sage, Boko, fais pas de bêtises. Oh, Boko. C'est sûr, ne fais pas de bêtises, Boko. Fais pas de bêtises, Boko. Y'a que moi et Mumba qui savons. Ah, Boko là, il est en train de s'éclater là. Et pendant ce temps là, l'énergie s'épuise, enfin voilà. On tombe dans le vide, tu sais. On saute et au moment l'énergie se dissipe, tu sais. Ah là, Boko là, il se fait plaisir. Et bienvenue dans le monde 2. Le monde de Maxou. Le multivers. Oh putain, et c'est là aussi, c'est là qu'on va avoir une des meilleures musiques de tous les Final Fantasy. Pendant ce moment-là, je mute. La musique du pont, mon bas, le pont, le pompon, le télépompon. C'est mon fion. C'est le monde de Maxou. Mais c'est une île de merde, on est coincé ici, voilà. Le protagoniste, j'avoue. Le meilleur personnage de Final Fantasy. Vers un autre monde. Mais regardez sur la carte, au secours. Jeanne. On est coincé sur une île de merde. Maxou, viens nous chercher. Maxou, un pao. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Moi, je te défonce. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, là. Chet. Oh, une tente. Des tentes gratos, moi je suis pas contre. Je sais pas s'ils donnent de PA. On va écouter, on va compter faire des combats, on a que ça à foutre. Hein. Voilà. Encore un paro. Bordel, mais... Barrez-vous. Oh, par contre, mais s'il te plaît, Mumba... Un PC, oh, on peut fermer les PC indéfiniment hein, avec ce con là. Encore une tente, comme c'est incroyable. C'est incroyable. Et ben continuons à chercher, voilà. Ah merde. Nous venons poser, pourquoi ne pas utiliser une tente? Non. Oui, en fait, si, ouais, bon. Faut utiliser une tente, voilà. C'est pour ça que le mob en drop à 100%, mais bon. J'ai envie de dire, des tentes gratos, on va pas cracher dessus. Voilà. Ça commence à faire nuit. Oh putain, Mumba, non. Je tape. Putain, mais il en veut en contre le Mumba, hein, ce con. Mais laisse-le. Et alors. Bon. Ah, j'en fais encore deux autres. Il y a plus des pavillons quand même, j'avoue. Non, mais je suis sûr qu'il y a un easter egg. Je suis sûr qu'il y a un combat secret ici. On va continuer à chercher. Ah, mais c'est vrai, attendez, on peut les... Ah, mais non, ça, j'ai plus de... Merde. Gobla Punch. T'es des gars ou pas? Oh. Oh.
C'est ça, Maxou. Non, non, mais... Moi, je vous dis, Maxou va nous chercher, va nous trouver cette île. Son tête île. Il va nous trouver. J'ai confiance en lui. Aïe. Tu veux kamikaze, j'avoue. C'est vrai que... On pourrait... Ouais, on a combien de tentes, là? Allez, deux derniers. Ça vous donne un avant-goût du farming à la fin du jeu, voilà. Non mais croyez-moi que l'argent, on a besoin, hein, donc... Oh, la cape elfique. On peut le contrôler, je suis sûr. Ah, on peut le contrôler? Non. Oh. Peut-être un dernier combat, peut-être il va se passer quelque chose. Bravo, bravo Master Shaco, bravo. Je suis fier de toi. Voilà, bon, ça va suffire. Bref. Bah après, si on utilise une tente, on tombe à 9, donc il faudrait qu'on en annonce dans le jeu quand on va s'arrêter. Ok. Alors, peut-être je vais faire un fail. Je m'excuse d'avance si le prochain fight, je fais un fail. Parce que j'ai un gros doute. je me demande ce qu'il y a pour dîner. Lena, je peux demander quelque chose? Enfin, pardon, Mumba, je peux demander quelque chose? Pourquoi as-tu risqué ta vie pour sauver celle du dragon sur le mont du Nord? Tu crois seulement dire ça, Master Chocobo? On l'a trouvé, Maxou! Ça te souviens-tu de notre mère? Quoi? Vaguement. Et il me fait penser à elle. Que veux-tu dire? Oh, qu'est-ce que... On nous attaque! Mumba, non! Attention, un monstre! Mumba! Oh non! Master Chocobo! Revenez là! Redonnez-moi mes waifus! Mumba, Master Chocobo! Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh oui! Nul! Nul! Très nul! Mais les punes, l'enculé! Je me serais pas capturé! Quoi? Au secours! Oh là là! Non! Je refuse de perdre! La cape est fique! T'es mort! T'as pas plus de 2000 points de vie, c'est pas possible! Crève! Oui! Je suis un warrior! Oh, un éther! Oh là là, ça a eu le coup! Ah! En plus, il donne un coffre, c'est sympa! Je ne peux plus bouger! En fait, je pensais pas que ça allait me redonner des MP, c'est sûr. Parce qu'en fait, si vous perdez le fight, ça revient au même. Et si j'avais un MP, j'aurais fait kamikaze sans attendre. En même temps, mais bon, un petit état gratos. Au moins, vous avez vu, voilà, cette possibilité quand on le tue. Oh, où sommes-nous? Le méchant. Moi, bienvenue dans mon château. Motherfucking excess. Putain, ouais, attends qu'on va faire ça. Là. C'est excess. Maxime, les autres ont fait grand. Parfait, préparez le miroir géant. À vos ordres, votre Altesse. Je devrais vous remercier, vous allez m'être très utile. On prend une photo de groupe, c'est mignon. Davy, regarde, c'est un miroir, on peut voir notre trophée dans le ciel. Incroyable. Maxou. Putain, Trop de fois, papy, regarde.
Oh, DV, Mumba, mais sans ce que vous, mais qu'est-ce que... Quelle est cette diablerie? Assez, Maxou, si tu viens pas de plus, ils périront. Fais pas le con, Maxou! Sauve-nous, Maxou! Ah, oh, mille tonnerres! Repliez-vous, putain! Ces trois branleurs ont niqué notre plan! Ta mère, faut trouver une voix pour le Gigamesh, je viens de penser, mais j'en ai pas! J'ai pas de voix pour Gigamesh! C'est... Lolololol. Ouais, je sais pas quoi prendre, moi. Gilgamesh, il y a un peu une voix de Deadpool, hein, mais je vais pas voir ça, hein, je pense. Hein. Pouam. Lolololol. Ah! Jeanne, au secours! C'est de la merde. On va pas se chercher, écoutez. On va pas se chercher. Gilgamesh. Maître. Surveillez-les, ne laisse surtout pas s'échapper. Exès, espèce de malotru! J'ai mal! Au secours! J'ai trop de voix! Anya, laisse-moi pointer ton dragon! Ils ont besoin de mon aide, ces petits cons! Préparez le dragon! À vos ordres! Maxou, viens nous aider! Pom. Maxou, le BGGG. Maxou, sou. Qui va nous sauver? Pom, le pompon. Pom, le château. Dex. Pom. Bois. Hop là, je suis vieux. Je te remercie, va retrouver Anya. Alors, c'est ici. Maxou obtient l'équipement de DV et les fragments des cristaux. Non mais DV, Mumba, Master Chocobo quand même. DV, Mumba, Master Chocobo, j'arrive. Monde le voyou. Oh là là, Maxou, la whip qui arrive. Oh là 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 là. Ah, attendez, normalement il me semble qu'il n'y a pas d'embrouille là. Alors il y a deux meubles ici, mais alors, tout est missable là. Ouh là 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 là. Ok. Et des tarentules et des ours à trouver. Alors par contre, c'est où? Il y a des coffres aussi, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Bonjour. Y'a pas de monstre ici? Ah, genre y'a des monstres là, normalement. Ouais. Les tarentules! Ah. Alors on dit pas que c'est stop. Non, c'est bon. Le jeu va pute à ce point là quand même. Hadouken! Oh là là, la Mumba, accroche-toi. Hein. Accroche-toi. Hein. La concurrence arrive. Nul. Oh là 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 là. Une petite potion. Hop. Oh, mais sérieux quoi? Non, laissez-moi. Je suis vieux. Oh. Je suis si vieux.
Qui va là? Halt! Gilgamesh, en garde! Oh putain! Bon, je défonce, moi. Oh! Oh! Le meilleur boss de tous les 20 Fantasy, c'est lui! C'est lui! En garde! Nul! Incroyable! J'ai assez pour aujourd'hui, hein. À la prochaine, hein. Bisous! Meilleur boss, je vous dis! Oh putain, c'est vrai, faut que je mette. Non, je pense que je vais mettre Master Chocomo en voleur là, ici. Maxou! Ne bougez pas, je vais sortir de là dans 3 mouvements! Grâce à mes super muscles! Merci Maxou! Désolé d'avoir gagné ton attaque, nous. Peu importe, nous pourrons discuter tout ça une fois sorti d'ici. L'équipe est nouveau complète! C'est ça! Je suis très menaçante, et puis. Oula, Maxou, t'es pas bien là! Attends, regarde, cadeau Maxou. Alors, Master Chocobo en voleur. Très important, enfin. En fait, faut qu'il ait volé, mais je veux qu'il soit en voleur, voilà. Je le décide. Ce jeu qu'il est les grands de la roue. Ah, il a pris ce cachet, lol. Qu'est-ce qu'il pourra prendre, je sais pas moi. Ah, par contre, Maxou, je suis désolé. Tac. Non, non, pas. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je réfléchis un peu. Je regarde la magie bleue, je pense. Ah, les gants, ouais. Attends. Non, c'est bon. Je pense que j'ai oublié. Non, je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense qu'on est pas mal. On faut trouver l'ours. On m'a volé ma lune, désolé, Maxou. T'inquiète pas, c'est temporaire. Où est l'ours? C'est une blague. Souille! J'ai rien volé. C'est pas eux que je cherche à voler. C'est après. Mais sérieux quoi? Vas-y, il faut fuir. Il faut augmenter les stats de fuite. Mais sérieux là? Mais... Où est le nounours? Pom 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 pom. Il est là, non? On ira le cul, oui. Putain, mais ils prennent tout leur château, là, il y a plein d'araignées. Ah ben voilà, merci. L'ours prisonnier, le pauvre. il a un truc ou pas l'ours? Alors, Est-ce que je me suis viandé ou pas? Je sais pas. Nul! La main gauche! Le retour de la main gauche. Ah, il a quelque chose, l'ours. Est-ce qu'on s'en fout? Ok. Tech! On se casse! Deuxième try. Master Chocobo, deuxième try. Master Chocobo! Fais un effort, la main gauche! De derrière! L'attaque comme ça, c'est tac! Rien à foutre! Mais bordel, mais qu'est-ce que. C'est parti! Oh là, mec!
Qu'est-ce que t'as sur toi? À votre avis, c'est quoi? Moi, j'ai dit c'était une potion. Pour la science. Pour la science, il faut savoir. Mais bordel! Il est vraiment crevé, ce con. On dira le cul. Et pour tes pièces, en fait, parce que franchement, c'est encore une boisson booster, je sais pas quoi. Ah ça, croyez-moi que. De toute façon, bientôt on va avoir une séance de vol là pour Maxou. Mais sérieux, mec, mais qu'est-ce que t'as sur toi? Je veux savoir, le monde veut savoir. Le monde veut savoir ce que t'as sur toi. Oh, Maxou. Ah, il aime pas les Weebas. Le monde veut savoir. Bon, je pense que le monde veut plus savoir, là, c'est quand c'est trop lourd. Aïe. Mais bordel! Ma soeur Chocobo! Fais un effort! Oh! T'as intérêt à le voler, ma soeur Chocobo, c'est moi qui te le dis! Allez, je donne encore 5 tries. 1. 2. 3. Ah, soit il a l'escalibur, on ne sait pas. 4. Ça m'a cassé les couilles, au revoir. Un dernier pour la route. Putain, mais il est tient son item, hein, ce connard. Hein. C'est quoi du coup, Maxou? C'est quoi l'item? Pour le lol. Une lance de base, ah ouais d'accord, vous avez... Ah, tu vois, nous sommes cuits. Oh, je rampe. Mais je suis en mode serpillère là. Et t'as... Ok. Lance de base dans les thèmes rares, ouais, super. Mais de toute façon, je m'en doutais, c'était de la merde. Sinon, ce serait connu. Bon, là, il y a 3 monstres à trouver. Des poissons. Les poissons. Doken. Oui, c'est la merde. La Master Chocobo, là. T'as pas le faire, hein, pour le fight. T'as un Master Chocobo. T'as le gagné 166 XP, quoi. Oui, d'un monstre. Normalement, il y a des espèces de souches. Ah bah bonjour! Vous êtes tous là! C'est trop gentil! C'est très aimable de votre part! Ah, ils ont cliff mortel eux! D'accord, je savais même pas, tu vois. Ah, terrible! Terrible, terrible. C'est pas la meilleure idée que je viens de faire. Oh non, c'est une blague. Tu te fous de ma gueule. Ma soeur Chocobo, lève-toi! Un Romain camouflé.
J'avoue, c'est tellement ça. Ok. Et là. C'est ça, Master Chocobo, c'est ça. Est-ce qu'on est bon? On est bon. C'est parti. Oh, soyez prudents, je l'ai dit. Les monstres sont féroces. Mais ça, c'est quand même des grosses brêles. Oh shit! Devinez qui était caché derrière la porte! Eh oui, c'est moi! Le grand, le sublime, le magnifique! Quel camache, mon chouqueur! Vous avez militants, je croyais que vous étiez perdu quelque part, lol! Bref, allons-y! En garde! Gauche, la main gauche. Thank you.
je vous avais sous-estimé. Quatre contre un. C'est trop pour moi. Ah, je plaisante bien sûr, lol. Je vous éclate. Oh putain. Mais il était sous silence ce connard, putain, ils ont fixé ça. Nick. Ah merde, c'est pas là qu'on peut le voler. Terrible, j'ai dit de la merde. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Merde, mais quel con. Mais quel con. Terrible. Putain. Mais Shideg, la strat du silence, ça marche plus, c'est comme ça, c'est pas comme ça version Super NES. Oh. Ou peut-être le silence sur vous d'un moment, je sais pas, normalement, le silence c'est censé rester, il me semble. Enfin bref. Tu peux venir Bard en fait, ma soeur Chikobo, c'est ma faute. C'est trop tôt, c'est trop. Je me fais avoir en plus comme un gros con. C'est beaucoup trop tôt. La cape est fic. Mais cette musique, oh là 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 là. Oh là 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 là, encore plus de mobs à la con. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu veux, toi? Bonjour. Au revoir. Je suis Maxou, je suis un ninja. Oh, Nia, je suis vieux. Oh, 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 mes jambes! La team enquête s'envole vers de tes yeux! Papy, arrête de te cacher. Oh là, mais Clash on the Big Bridge, les enfants. Putain, mais cette musique. Au secours, quoi.
Le thème de Gilgamesh, quoi. Oh là là, vous en faites pas, hein. Il y en aura d'autres. Hein. Où sommes-nous? Oh, quelque part sur le continent de Grossiana. C'est grossier, je sais. Je t'ai dit au milieu de nulle part. Voilà, ça te va, mais c'est un chocobo. Ah, les monstres des alentours sont plutôt féroces. Quelle chance nous avons d'avoir atterri ici. Oh, c'est génial. Quel plan cul. Il me semble que j'ai oublié aucun mob. Hein. C'est à moi, Devil Fish. Non, c'est bon, ça a l'air d'être pas mal. Sinon, Mumba sera déjà foutu de ma gueule. Il y a 5 mobs à trouver après. Oh, c'est ça, Mumba, c'est Gilgamesh, mode coucou. C'est moi, le mec Gilgamesh qui est... Quel putain, mais ce mec, quoi. C'est en fait pourquoi j'ai... Bon, je peux vous dire pourquoi j'ai mis Master Chef comme voleur. Parce qu'en fait, Gilgamesh donne des pièces de stuff uniques. Il y a que sur lui qu'on peut en drop. Mais c'est à partir du deuxième combat. Je pense que c'est toujours à celui-là, en fait. Chaque fois, je me fais avoir. Mais après, bon, on a volé un héroïsme, hein, c'est déjà ça. Il me semble que c'est quand il passe en P2 qu'on peut le drop. Mais non, je me suis fait avoir comme un con. par contre, pour la strat du silence, je suis d'ailleurs. Hein. C'est pourquoi j'ai silence, c'est pour éviter qu'il se fasse booster, carapace, tout le bordel. Sur la version Super NES, ça marche, mais sur celle-là, sur la version Steam, il me semble que bah on dirait que le jeu s'en bat les couilles, donc rip. Et, désolé, Max, nous sommes venus pour t'aider, mais finalement, c'est toi qui... Je vous ai pourtant dit de pas vous mêler de tout ça, vous écoutez jamais, vous, les jeunes, hein. Putain. Oh, c'est comme les mecs à la sauce, là. Ils m'écoutent jamais, pourtant, je vais fous tous des branlés. Ah oui. Mais je suis heureux de vous revoir. Parce que vous êtes mes amis. Tu vois, silence, Gilgamesh, il parle trop, j'avoue. Bon. Au niveau des classes, qu'est-ce qu'on a? Ah, est-ce que je mettrais pas en chimiste pour le LOL? C'est à tout le moment. Boire. Mais bon, entre Chronos, Blanche et Magie Bleue, voilà, ça commence à être compliqué. Je sais pas. LOL, je sais pas quoi prendre. J'ai trop de compétences. Parce qu'après j'ai mon bâton pour me soigner, mais c'est que du mono. Mais bon, vu qu'il dit qu'apparemment, vu que Maxou dit que les monstres sont violents, on va prendre Magie Blanche. Voilà. C'est bon. Pour l'instant, je mets que deux compétences. Vous allez voir plus tard dans le jeu, il y a une classe qui va me ravir. Pardon. La cape elfique. Voilà, je suis un chimiste. C'est ça. Zork fait. Qu'est-ce cette horreur? Oui, non, mais ça, c'est de la merde. La cape elfique. Ah oui, tout est là, ouais. Bon, bon les petits cochons là. Ah oui, ils ont cru de prendre. Oh putain, oh! La cape elfique! Ah là, Mumba, il déconne plus là. Oh là là! Le 666, Maxou, est-ce que tu l'as vu? Le 666, il était là. Une potion plus, c'est cool. Pour l'instant, là, en chimie, je sers absolument à rien. Mais quand j'aurai une certaine compétence... Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là, quelle est cette merde? Au secours, vous êtes beaucoup trop nombreux. Maxu, à toi de jouer. Fais le ménage. Vous êtes beaucoup trop nombreux, là. Ah merde, je pensais que c'était la foudre. Je me suis trompé. Nick, évidemment. Oh, nice, bien joué. Bien joué, Regine, bordel, je vais le faire. Ça coûte cher en parchemin tout ça. Ah, j'ai soigné le mec. C'est ce que je viens de faire là, c'est ça? Level up. Oh, attends, moi je pense que c'est pas bon tout de suite. Non, c'est vous, ça suffit. J'ai mal. Attends, faut que j'aille dans les marées. Les marées. Est-ce qu'on peut se barrer, s'il vous plaît? Vas-y. Le dévoreur, le mandragore, ok.
si on connaît pas. Par contre, si on connaît, c'est la chanson. Putain, ils ont tellement de points de vie. Casse-cou, j'aurais dû le mettre en mage bleu en fait. Participer au DPS un peu. Ok, Devour Mandrake, Tail en manque 1. Le Birostri, je sais pas ce que c'est. Je sais pas où ça se trouve, est-ce que ça se trouve dans l'herbe? Je sais pas. Où êtes-vous? Petit monstre. Super. Quel plan cul. Quittez la route! Quittez la route! J'ai pas du tout Maxou. Oh putain! J'ai pas du tout Maxou, c'est ça le problème. Après, c'est vrai que. Non, l'invocateur, je le mettrai quand j'aurai une certaine pièce de stuff. Et bah, c'est lui, voilà le Dairo, c'est ça, c'est. Bon, ça se rapproche un peu du piaf, Maxou, effectivement, ça se ressemble un peu à un piaf, je suis d'accord. Bon, toi derrière, tu me casses les couilles. Au revoir. Ah, c'est bien Milipine, ça coûte cher, mais c'est bien. Table. Oui, un piaf. On les a tous là. On a le cochon, cette merde. Attends, cette merde, le cochon, les trucs d'anguille, et le poulpe et le mandrake, c'est bon, okay. Ok. On a mérité un repos, bien mérité. Dans le petit village de Rugol. Bonjour. Oh là là, où il y a du truc. Bienvenue Rugol, le petit village frontalier. Magie, dis-moi qu'il y a des bons trucs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas une nouvelle magie, oh là là. Bon, j'ai pu vous aider. Ah d'accord, ma soeur Chocobo, vache du groupe. Blindage, oui. Merci bien. Saint Joseph, Mégalith, je pourrais. Seigneur, ça c'est cool, ça, par contre. Comète, Somni X, oh, et surtout, reprise, oui. Enfin. Ça sert pas tout le temps, mais dans certaines situations, c'est vraiment cool. Oh là 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 là, on a plus de sous. Attendez, normalement. Non, c'était. What? C'est pas là? Ça, c'est l'arsenal. J'en branle ton arsenal, attends, mais. Ah, c'est de l'autre côté. Okay. My bot. Bonjour, puis-je vous aider? Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh putain, plus 49. Discipline, la discipline. Tellement de bons trucs. Putain, oui, l'orichalcum, enfin, l'orichalcum là pour Maxou, ça peut être pas mal. Je pense, ouais, je sais pas. Ah, je vois aussi, c'est sexy, mais je pense que j'aurai mieux bientôt. Je vais prendre un pour Maxou. Pour le lol. Ouais, comme ça, full dag, voilà. Ouais, mais Maxou, en fait, c'est pour t'en acheter un deuxième pour quand tu sors samouraï, vu que tu sors Bidrex. Double épée! Mais je pense qu'on va avoir une autre épée de samouraï. Largement le temps que tu sors Bidrex. Bonjour, qu'est-ce suivant? La tunique de Gaïa, oh là là, une tunique qui renforce les sorts de terre, oh là là là. Mais ça tombe bien, on a un sort de terre qui s'appelle Titan. Ah, j'ai peut-être donné pour Master Chocobo aussi, oui, allez, donne-moi deux. Une toque magique. Moi deux aussi. Et le reste, merci à tous. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé.
Ok. Ah, Maxou, il a pas tant de défense que ça, hein, mais bon. En même temps, c'est un ninja, hein. Du coup. Où je mets mon ruban? Dans ton cul. Comme ça, elle a perdu son ruban. Qu'est-ce qu'on racontait de... Bon, ici, il y a des items ici. Il n'y a pas d'items. Oh, ça fait années qu'on n'a pas eu de visiteurs. Est-ce vrai qu'Exel s'est échappé? Si c'était vous, je ne m'approcherai pas du château au sud d'ici. Ah bon? N'oubliez pas d'essayer la spécialité du village. Cusa, château des Sceaux, est situé au sud d'ici. Les armes utilisées lors de la guerre qui a eu lieu il y a 1000 ans ont été scellées à l'intérieur. Quoi? Merde! Qu'est-ce que vous faites, vous? Non, vous bougez plus, c'est fini. Menteur, il dit qu'il a vu un mog, c'est un menteur! Des mogs? J'y vais un mog, c'est vrai, vrai de vrai! On dit qu'Exès s'est échappé, mais n'avait pas nous... Mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Il n'attaque pas un village perdu comme le nôtre. Ah oui. Les méchants, ils sont bien gentils, un peu, au fond. Ok. Eh bien, les clients, je ne crois pas mes yeux. Passer la nuit ici, aujourd'hui, c'est gratuit. Je suis déjà pauvre. De toute façon, j'ai hypothéqué mon auberge. LOL. Putain. Et là, on va découvrir une triste vérité sur Maxou. La plus triste des vérités. Il est parti où ce con? Maxou! Où est-ce que tu pars à 3h du matin? Mais il est passé Maxou! Il picole! Alcoolo! Oh, la spécialité de Rugol! Estomac fragile, s'abstenir! Ah oui! C'est mon 10e verre! Oh, DV, que se passe-t-il? Je suis vieux, laisse-moi! Je n'arrive pas à dormir! Oh, viens t'asseoir, petit con! Hein. Ah bon? Désolé, Maxou, on a failli ton plan, on est nul! Si t'es pas venu, tu aurais pu prendre le château d'assaut! Même si nous avons réussi à pénétrer un château, la berne nous aurait écrasé. Je ne pensais pas qu'elle avait été terminée. C'est grâce à vous si nos troupes n'ont pas été détruites. Au milieu de rien, vous n'êtes pas si con que ça. Maxou. Dévé, vous savez que vous ne pourrez pas retourner sur votre monde. Pourquoi êtes-vous venu? Oh. Non, pas de raison particulière. De toute façon, on se fait chier sur votre monde, on a tout fait. Hein. On a fait tout le bestiaire, on a ouvert tous les coffres. Bah, du coup, on vient à ce côté ici. Hein. DV, hein, merci, hein, je suis vieux. Elle fait pas cette tête. Oh. Oh. Alcoolo. Bref. Attends, je vois un truc. C'est ça. Attention, regardez, si on fait ça, regardez. Oh là là, le piano! Je dis piano. Oh, il m'a cherché comment il fait du piano! Oh, mais... oh, ça marche! Ouais, regardez comment on fait! Espèce de noob! Votre talent de pianiste s'améliore! Incroyable! Je pensais pas que ça marchait sur notre personnage, c'est énorme! Oh, mais c'est un chocobo qui m'a mis un. Une branlée là sur ses cours du piano là! Oh là 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 là! Hey, Maxou, presque niveau 4 ninja, c'est bon signe. Et Mumba qui s'approche doucement du rôdeur niveau 3, mais ce n'est pas pour tout de suite. Malheureusement, Mumba va rester rôdeur encore très longtemps. Je suis désolé, mais c'est obligatoire pour un certain monstre. Mais croyez-moi que la récompense vaut la chandelle. Qu'est-ce que voulez-vous? Ah, attendez, ouais. J'ai envie de vous montrer quelque chose. Bon, vous voyez ces taille roule de merde, regardez. Vous prenez l'invoqueur. Oh, ça, on s'en fout du coup. Surtout la cape elfique, c'est important. Alors, recroisons ces connards là. Ils sont où?
Alors comme ça, Mumba et Maxou sont les DPS, regardez. Regardez bien, la cape elfique. Bonjour. En gros, 25 MP, hein, c'est cher. Mais bon. Michael Bay. Merci, au revoir. L'avocateur, motherfucker. Voilà, la puissance du titan avec la tenue de Gaïa. Bonjour. Merci à tous. Oh là 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 là. La cape elfique.